Alors, nous consacrons 22 000 euros sur cette opération. Mais c'est une démarche qu'on a entamée il y a maintenant 8 ans. On l'avait fait à titre expérimental sur le secteur Haute-Lozère. Et on s'est aperçu que c'était une opération qui était importante pour l'ensemble du département de la Lozère. Et donc, aujourd'hui, on est sur l'ensemble du territoire. Et ça permet aux jeunes de 8 à 18 ans de pratiquer des sports tout l'été, et des sports peut-être qu'ils n'auraient pas l'occasion de connaître. Donc, et puis ça permet à nos prestataires de faire valoir leur entreprise. Des jeunes qui étaient sur les centres équestres pendant l'année et pour lesquels les parents ne pouvaient pas payer une pratique estivale parce que ça coûtait trop cher, et qui, grâce à ça, maintiennent leur activité en été. À la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations, ça s'appelle comme ça, maintenant c'est un peu compliqué, il y a des professeurs de sport. Ces professeurs de sport ne sont pas devant des élèves dans des classes, mais ils sont là pour animer et conseiller. Et je tiens beaucoup à ce qu'ils le fassent au maximum de leur capacité. Donc aujourd'hui, c'est aussi une manière de leur rendre hommage. Et ils travaillent en liaison avec le conseil général, avec les municipalités et avec les associations. Ces livrets, édités par le conseil général de la Lozère, ont été distribués dans les collèges lozériens. Ils sont disponibles dans tous les centres de loisirs, les structures associatives et les offices du tourisme du département. Mais attention, le nombre de places étant limité, il faudra penser à réserver rapidement.